Salut les gars, c'est Fred de Footpack, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on attaque le guide des meilleures chaussures pour attaquants. Alors, quand on joue à ce poste, on recherche principalement la légèreté et également une bonne maniabilité. On commence avec Nike, avec le modèle de référence, la Nike Mercurial. Alors, il y a le modèle Superfly avec la petite chaussette Dynamic Fit. C'est la chaussure que porte notamment Cristiano Ronaldo. C'est une chaussure très agressive qui procure un bon toucher de balle grâce aux speed ribs. On a également la Vapor que les joueurs adorent comme Zlatan. C'est pas exactement le même matériau sur l'empeigne. Alors sur la Superfly, on a du Flyknit. Sur la Vapor, on a un cuir synthétique Tejin qui est plus souple et qui est vraiment adoré des attaquants. Dans le même style, on a l'Hyper Venom Phantom, donc avec la petite chaussette qui est la chaussure de Robert Lewandowski. On a le modèle Finish qui est porté par Neymar. C'est les mêmes caractéristiques que la Mercurial. C'est une chaussure agressive et qui procure également un bon toucher. Pour Adidas, on a la X16. C'est la chaussure de Luis Suarez. C'est un peu le même style. C'est une chaussure très confortable, très agressive avec une bonne semelle. On a également la chaussure de Messi, la Messi 16. Elle est moins connue. C'est une chaussure qui sert un peu plus le pied et qui est vraiment très agréable à porter. On se sent très léger, très dynamique quand on joue avec cette chaussure. Chez Puma, on ne la présente plus, c'est l'EvoSpeed d'Antoine Griezmann. Chaussure ultra légère avec une semelle ultra light, super light et une tige qui est différente selon les modèles. Donc on a des modèles super light avec une tige extrêmement fine. On a même des modèles en cuir, des modèles fraîches avec toujours une empeigne synthétique et encore plus légère. Donc la Puma EvoSpeed, on s'attardera sur cette paire un peu plus tard. Nous avons également chez New Balance la Furon qui est portée par Kevin Miralas. C'est une chaussure racée avec un mesh hybride sur la tige et on a également une semelle très agréable. Mizuno, on a la Morellianeo que porte notamment Hulk le Brésilien, chaussure en cuir de kangourou avec une semelle très flexible et très réactive. Et pour finir, on a la Kipsta CLR700 qui est une chaussure moins connue que les autres et qui est portée par certains joueurs pro comme Ludovic Jeunesse en Ligue 2. C'est une chaussure ultra light qui pèse environ 170 grammes, qui est très légère et qui a une tige très souple. Voici les chaussures qu'on privilégie pour les attaquants. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas, on y répondra dans les commentaires. On vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur Footpack. À bientôt !